Et aux Jeux africains qui, de Brazzaville qui sont ouverts il y a quelques jours, le Gabon est représenté dans 5 disciplines. Les Panthères du Gabon se trouvent en ce moment même au Congo. Mais avant leur départ de Libreville, ils ont reçu la visite du ministre des Sports et un opérateur économique partenaire de l'équipe nationale. Le reportage de Raïssa Lormeza et d'Eddie Yakunda de notre rédaction. Le handball chez les hommes, le basketball chez les hommes et les femmes, le tennis sur court, la boxe et le cyclisme gabonais seront les disciplines présentes à Brazzaville pour les 11e Jeux africains. La direction technique et les joueurs sont assez confiants pour faire une bonne prestation, sinon on vise, parce qu'on a des objectifs, c'est d'aller minimum en demi-finale, sinon finale. Malgré notre petite taille, malgré nos défauts, on a chacune des qualités et je pense qu'on va s'en servir à bon escient. Tout ensemble et je pense qu'on peut faire de bonnes choses avec cette équipe. Espérons aborder les Jeux africains avec plus de motivation. On est attendu par les clubs qui n'ont pas fait partie de l'Afro-Basket. On a une revanche à prendre avec ce qui y était. Tout notre possible pour gagner ce tournoi et montrer qu'on n'est pas... On n'est pas allé pour perdre, ni pour regarder les maisons, les trucs, mais pour combattre, pour qu'on gagne. C'est en présence du ministre des Sports et de ses collaborateurs que la direction générale d'Azur Gabon voulait marquer son soutien aux ambassadeurs sportifs nationaux. Azur a proposé à tous les athlètes du Gabon des téléphones et deux sites. Des packs, des gadgets, mais surtout une action citoyenne pour accompagner le sport national. Pour le ministre des Sports, le vert jaune bleu doit se hisser haut. Ce qui importe le plus, c'est que nous y allons sans faire, comme le Coubertin disait, participer simplement, mais nous allons pour essayer de gagner un maximum de médailles. Et là, je crois que les précédentes compétitions connues par les fédérations nous ont suffisamment préparés dans ce sens et j'ai bon espoir que le score du Gabon ne sera pas minable. La photo de famille a immortalisé ces instants.